بون واش نقول لك اليوم اوني لافون فاي دان ماتش امبورطون باسكو اون فا جوي دون 48 اور ماتش ريتور كوب دافريك اي جو بونس كون فا تو فير بور سو كاليفي سي نورمال اوني ان تران دو بريباري ليكيب Je pense que les joueurs ils sont conscients, moi je suis conscient. On a, comment on va représenter la GSK, l'Algérie, et on ne joue pas avec une qualification africaine. On doit confirmer notre résultat à l'aller. Et je pense que, mis à part deux joueurs blessés, tout le monde est là, prêt, avec une bonne ambiance. Et ça, c'est le plus important. Bon, nous, je pense qu'on a discuté avec le président, il n'y a aucun problème. Moi, je suis habitué à voyager et c'est ça qui met la vie d'un entraîneur. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quelques jours, on s'est vu, on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mis à part les résultats qui sont là, je pense qu'ils sont là, on s'est dit on va se réunir et on va se séparer à l'amiable. Il n'y a aucun problème. Moi, je pense que je vais voir le président ce soir pour finaliser. Mais toujours utile, je suis toujours concentré et bien motivé concernant le match. La séparation, ce n'est pas un problème pour moi. L'essentiel, c'est que on va se séparer pour laisser déjà ma place propre, comme d'habitude. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait presque les 48 wilayas et je n'ai aucun problème avec n'importe quel président. Dieu merci, on s'est mis d'accord pour discuter, bien sûr, la résiliation et j'aurai mes droits. Je pense que j'ai donné le maximum. J'ai redressé quelque part la situation où, en faisant confiance les jeunes, j'ai créé la concurrence. On a monté un groupe bien. Les joueurs m'ont facilité la tâche, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une équipe, je l'ai dit, je le redis, il y a une jeunesse. Je pense que ils vont se donner à fond avec ou sans Bouzidi. Et c'est ça la vie. Je pense que le président est conscient. Il y a des choses qui n'ont pas marché entre nous, mais pas avec le président. Aujourd'hui, j'ai pris pratiquement deux jours chez moi. Bon, je faisais le va-et-vient Tizi Ouzou Alger. J'ai bien réfléchi. J'ai accepté la séparation à l'amiable. On s'est mis d'accord. Une chose est certaine. Hein. Une chose est certaine. Mon souhait, c'est que le nouveau coach va donner un peu plus que moi, parce qu'il reste quand même un long chemin à faire, et j'espère qu'il trouvera encore plus les mots qu'il faut, parce que moi j'ai trouvé, et les résultats ils sont là, et j'espère que la JSK jouera les premiers rôles, et qui sera à la hauteur, Inch'Allah. Oh, tout ça, c'est bien pour le club. Hein. Mais toujours est-il que moi, j'attends ce soir le président pour finaliser à 100%. Je pense que je fais confiance au président. Si tout va bien, on va tourner la page juste après le coup de sifflet final. وهذه هي سنة الحياة. Bonne chance pour la GSK, pour cette jeune équipe. Et je dirais une chose, moi j'ai décidé de ne pas prendre aucun club d'ici le mercato. Ça c'est. Mais toujours est-il que j'aurai un pincement au cœur, c'est-à-dire je pars avec un petit regret, c'est-à-dire j'ai donné la chance à certains jeunes et j'espère qu'ils seront bien encadrés, bien entourés et qu'ils vont se donner un peu plus. Et
les voir évoluer éventuellement en équipe senior, championnat de la Coupe d'Afrique. Bonne chance pour la GSK. Voilà, Drinéa, on va remercier l'entraîneur, M. Bouzidi, Youssan. Il veut dire, non, c'est un peu de temps, il veut dire que Youssan, sans négocier, à tous les Hawaïj. C'est la vie d'un entraîneur, alhamdoulilah, il a fait un travail, il a réussi, il a accompli bien sa mission. Les Hawaïj, en interne, on ne va pas les citer. Inch'Allah, il a fait toujours, quand il est sollicité, même si on a la relégation, il a fait un bon parcours, on a sauvé l'équipe, on prend la finale de la Coupe d'Algérie. Voilà, c'est gay, les choses, en interne, il y a un farak à l'amiable. Je pense qu'il est toujours resté un ami, il est toujours un ami. C'est un amour, il y a un amour, je pense que le public a des femmes, il restera toujours notre ami, il est toujours le bienvenu à la GSK. Il fait un bon travail, il a fait un bon travail. Alhamdoulilah, on a réussi, nous avons réussi pour une mission, il a réussi la mission en Inès. Le mardi, on a un match très très important justement. On va souder les coudes. Inch'Allah, on va le préparer très très bien. On va surpasser l'équipe de Niger. Inch'Allah, on va continuer sur notre lancée. On a dit à Sénadinjah. Inch'Allah, on va lui souhaiter tout le bonheur, le courage et beaucoup de prospérité pour le parcours Niran Andanidan. Pour le parcours Niran Andanidan, Asseline est toujours à Tik Saha, au Kalachar.